J'ai une caisse d'armement visuel. Génial. C'est bon. Ça va être utile, ça. Ah. J'étais sur un faux plancher. Il y a une feuille de coca sur cette médaille. C'est presque cool. Okay. Sois raisonnable. Ça fait quoi? Une bonne quinzaine d'années que mon père est en affaire avec toi? 20 ans, depuis que votre père, le seigneur Bayard, a investi dans la société. Attends, ils vont te repérer. 20 ans. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Tu refuses de partir 2-3 jours à Agua Verde? C'est quoi ces conneries? Oyez, Carcita. Tout le monde est au courant de ce qui se passe à Agua Verde. Cartel, les fiestas, les putes... La... Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Je suis le chef de raffinerie ici à Libertad. Je dois soigner les apparences. Jorge, je comptais vraiment sur toi. Je me disais que tu serais le principal intervenant de notre conférence Les meilleurs employeurs de Bolivie. Je t'avais même réservé la suite présidentielle au Paraíso Agua Verde. Dans l'hélico. Et puis t'aurais eu droit à un traitement de faveur. Ouais, on va y aller. Je veux dire... Carcita... Je sais pas trop quoi dire. Je pense pas que... Tu sais quoi? Et si on demandait à El Sueño ce qu'il en pense? Ça fait un match de loupio tête bouton. Je suis sûr qu'il te donnera tout un tas de bonnes raisons d'accepter de venir. Il faut une caisse d'armement par ici. Super, c'est pile ce que je voulais. Vous croyez que la Santa Blanca en distribue beaucoup? Nous avons identifié le Butchan. Il s'agit d'un ressortissant américain du nom de Marcus Jensen. Il a rendez-vous au marché des sorcières. Ramenez-le-moi. Hola, ¿cómo está? Il est parti. Surveillez Jensen, il nous le faut vivant. Nous avons identifié le Butchan. Il s'agit d'un ressortissant américain du nom de Marcus Jensen. Il a rendez-vous au marché des sorcières. Ramenez-le-moi. Arrive au marché des sorcières. El Mercado de las Brujas. Tu peux acheter des talismans, des filtres d'amour et même des mauvais sorts pour tes ennemis. Tu te fous de ma gueule? Faites bien attention. Si nos intels disent vrai, Jensen est quelque part dans le coin. Qu'est-ce qu'un type comme Jensen peut bien venir foutre dans ce genre d'endroit? Je sais pas, mais sûrement rien de bon. Surveillez Jensen, il nous le faut vivant. Main en l'air! Montre-moi tes mains, tout de suite! Bande de fascistes! Vous n'avez pas le droit, je suis citoyen américain! Reste où t'es, main sur la nuque. Ne force pas à me répéter. Ah ouais? Sinon quoi? Merde, Jensen se fait lâchez la main. Lâchez-moi, tu recommences ça, je te colle une balle dans les deux jambes. T'as compris? Maintenant ferme-la et avance. Bien. Putain de merde! Je reste là. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Ennemi abattu. Véhicule. C'est bon, tout le monde va bien?
Ok. C'est parti. C'est n'importe quoi. Vous pouvez pas arrêter quelqu'un juste parce qu'il va au marché. Épargne ta salive, Jensen. On sait tout sur toi, le cartel. Il y a juste un truc que je comprends pas. T'es un scientifique. Alors qu'est-ce que tu foutais dans un endroit comme le marché des sorcières? Pour transformer la cocaïne, les solvants et les réactifs ne font pas tout. Pas chez moi, en tout cas. Certaines des poudres de ce marché accélèrent le processus et rendent le résultat plus puissant. Ah ouais? Du genre? Du genre va chier. Je vais pas te révéler mes secrets professionnels. Si tu veux Marcette, tu raques. On va continuer le tracé proposé. Approche. Mais lâche-moi, putain! Tu recommences ça et je te colle une balle dans les deux jambes, c'est compris? Maintenant ferme-la et avance. Cible abattue. C'est bon, ça va? Vous tenez le coup? Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Vous n'avez aucun pouvoir officiel ici, et d'ailleurs, quand bien même, je suis citoyen américain avec un visa de travail en règle. Tu contribues à la production illégale d'un produit stupéfiant. Un produit stupéfiant qui alimente les comptes d'un gang de violeurs et d'assassins. Ça ne me regarde pas. Je ne braque un flingue sur la tempe de personne. Je ne force personne à consommer de la drogue. Chacun fait ses propres choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, je vous signale. Très bien. Sors-moi ce crétin de là et colle-lui une balle. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est vrai, Marcus. On n'a aucun pouvoir officiel en Bolivie. Donc je vais faire usage de ce qu'on appelle le libre arbitre en chargeant mon associé de t'exploser la cervelle. Non, attendez! T'as quelque chose à nous dire? On peut trouver un terrain d'entente, non? Oui, bien sûr. Tu me dis ce que je veux savoir et on t'explose pas ta sale gueule de sociopathe. Putain! Ok. C'est tout ce que je demande. Bowman, excellent travail, Anderson. Vous avez non seulement empêché Jensen de faire des émules, mais aussi arrêté l'approvisionnement en précurseurs chimiques de Via Vegas et donc la production. Le cartel va enregistrer des millions de dollars de manque à gagner quotidien. Autant dire qu'il va le sentir passer. Bien sûr. Ça va vite servir à quelque chose. On se déploie dans le secteur suivant. Honoré de Balzac a écrit « Avoir une famille, c'est devenir l'otage de la fortune ». J'ai dit à Eliayo que nous avions un point commun. On est trop vieux pour repartir de zéro. Moi pour rebâtir un cartel. Toi pour refonder une famille. Médaille du cartel ici. Quelque part, j'en connais un qui va franchement tirer la gueule. Vous pensez que ça ira avec mon uniforme de service? Leur lieutenant essaie de s'éteindre la thune qui se fond. Il faudrait faire une médaille plus classe.
Le camion se fait la malle. Ça ira bien avec mes bottes. Ah ah, AK-47. Classique. C'est un document. D'excité. Ça, c'est une décoration. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales de l'Air Force. Je vois une caisse d'armement par ici. Génial. Ça va être utile, ça. Ça, ça va être un objet de légende, ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Super, c'est bon, c'est où l'entrée là? Trois fois que je fais le tour. Ok. Vous croyez que la Santa Blanca en distribue la main à contrôle? Vamos, c'est le 100 mandat, il part!